Salut. C'est vrai que beaucoup de gens sont dans les querelles. Il m'a critiqué, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. C'est pas facile. Et en même temps, on cherche la paix et l'amour. C'est un peu contradictoire tout ça. On saurait avoir les deux choses en même temps. C'est pas possible. Et puis, cette rancœur, le fait de régler ses comptes, ça chasse l'amour de notre cœur. On ne peut pas avoir les deux choses. Soit on cultive l'amour, soit on cultive la rancœur. Mais tant que des mauvaises choses sont en nous, on n'est pas heureux. C'est une réalité. C'est pourquoi dans une vie, on peut essayer plein de choses. Mais à moins de trouver la paix, c'est difficile de vivre. La paix en nous-mêmes est tellement importante. Elle apporte aussi la paix aux autres. On a besoin de ça, surtout dans l'époque où on vit. C'est pas parce que tout va mal qu'on devrait accentuer le mal en nous. Non, on devrait plutôt mettre le bien en nous. Essayer d'apporter une solution au problème et pas d'être un problème en plus. C'est pourquoi on doit apprendre à agir sans haine. Et c'est quelque chose qui est important. Ça ne veut pas dire qu'on devient juste des cerveaux lavés, qu'on accepte tout comme des moutons. Non. Mais on devrait agir avec l'amour. L'amour, c'est puissant. Ce n'est pas quelque chose qui rend faible. Au contraire, ça rend très fort. Mais ça apporte le bien et des bonnes solutions. On devrait méditer là-dessus et agir différemment. Merci beaucoup.